السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المتتبعين على قناة على اليوتيوب. إذن خلال هذه الحصة غادي ندرسو لا فيش بيداغوجيك و لاكتيفيتي دو لا ليكتور لا كاتريام اني ديكول بريميير. دونك مانتونو اون فا كومونسي باغ لونتيت دو لا فيش بيداغوجيك. بوميرمون لونيتي ديداكتيك لو تيم لاكتيفيتي شوازي ici سي لا ليكتور لانتيتولي او بيان تيتر دو تيكست اتيديي لي اوبجيكتيف pour les supports didactiques considérés sont livrés de l'élève, les images, posters, etc. Pour le niveau, la quatrième année d'école primaire. Durée 20 ou 30 minutes. Science, pour les sciences étudiées, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième science. Donc, pour cette fiche-là, on va travailler sur les quatre sciences qui se fait par semaine. Donc, on va commencer par science numéro 1. C'est l'étape d'observation et la découverte. Pour les activités de l'enseignant, avant la lecture, qu'est-ce qu'il fait le prof? Il demande aux élèves d'observer les images et le texte. Puis, il les amène à, premièrement, formuler des hypothèses. Deuxièmement, répondre aux questions. Donc, l'apprenant, qu'est-ce qu'il fait sur bien l'élève? Il observe l'image. Bien sûr, c'est sur son livre, ou bien d'autres images. Puis, il formule des hypothèses. Enfin, il répond aux questions données. Donc, pour la deuxième séance, c'est l'étape de compréhension. Pendant la lecture, qu'est-ce qu'il fait l'enseignant? Il lit le texte de voix. Il invite les élèves à répondre aux questions données. Puis, il organise les réponses aux questions. Donc, pour l'élève, il écoute la lecture du prof, bien du professeur. Puis, il suit la lecture magistrale sur le livre. Enfin, il répond aux questions données. Donc, pour la troisième séance, c'est l'étape d'application et transfert. Pendant la lecture, le prof fait lire le texte à haute voix par les apprenants, bien par les élèves. Après, il fait lire, puis dire quelques mots étudiés dans ce texte-là. L'élève lit le texte à haute voix, puis il articule bien les mots. Donc, pour la dernière séance, la séance numéro 4, l'étape d'évaluation, après la lecture. Donc, l'enseignant fait lire les consignes de chaque exercice donné, ou bien les exercices supposés. Puis, il engage les élèves à répondre par écrit. Puis, il contrôle les résultats. Et ici, on va faire aussi la correction des erreurs. Pour l'élève, il lit les consignes de chaque exercice. Puis, il répond aux questions de chaque exercice. Enfin, c'est la correction, l'étape de la correction des erreurs. Donc, ça, c'est la planification d'une fiche pédagogique d'activité de la lecture pour la quatrième année d'école primaire. Et donc, mes amis, nous sommes à vous après la hissa al-basita al-mufida. Merci à vous pour la suivi et la hissa al-mukbila, inshallah, avec un nouveau sujet.